Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous vous sentez relaxé. Ici Taha Mouline de Destination Soi-même et aujourd'hui j'aimerais vous parler de votre rapport au temps et au savoir. Lequel des deux est le plus important? Eh bien, vu le titre de ma vidéo, vous devez vous être rendu compte. Le temps est une notion effectivement importante. On dit que le temps, c'est de l'argent, mais c'est bien plus que de l'argent. Le temps, c'est des opportunités pour accomplir différentes choses dans votre vie que tout l'argent que vous pourrez avoir au monde ne pourra pas remplacer. Donc, c'est quelque chose de très important. Cependant, l'élément temps n'est pas le seul élément à prendre en compte. Il y a d'autres éléments qui sont plus important également que votre temps. Oui, j'ai bien dit qu'il y a un élément qui est plus important que votre temps. Ça vous paraît bizarre, ça vous paraît contradictoire? Eh bien, cet élément, c'est tout simplement votre savoir. Le savoir que vous avez accumulé, les connaissances que vous avez à un moment X ou Y. Parce que si vous avez tout le temps que vous voulez, vous ne travaillez pas, vous n'avez aucune contrainte, donc vous avez totalement un temps libre. C'est comme si vous étiez au chômage et vous avez totalement votre temps libre. La question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est de quelle manière vous utilisez ce temps et surtout de quelle manière vous procédez, quelle est votre stratégie pour apprendre. En partant du principe que vous êtes dans une dynamique d'apprendre, parce que si vous ne lisez jamais, vous n'êtes pas dans un processus d'apprendre, évidemment cette vidéo ne va pas vous être utile, ne va pas vous servir parce que vous n'êtes pas en train d'apprendre. Mais supposons que vous êtes quelqu'un qui veuille apprendre, qui veuille avancer dans cette dynamique et qui soit motivé par cette perspective d'évoluer et d'apprendre, eh ben, le savoir que vous aurez vaut plus que votre temps parce que le savoir que vous allez avoir va vous faire gagner du temps. Et ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue quand j'y ai pensé. J'étais en train d'y réfléchir et puis j'y pensais comme ça et puis je me suis dit mais c'est vrai qu'il n'y a pas que l'élément temps qui compte, ce n'est pas que le temps qui est à disposition qui compte, c'est la manière dont nous disposons de ce temps et dans le cas là des connaissances et du savoir, ça serait la manière dont vous utilisez votre temps et la qualité du savoir que vous aspirez, que vous regardez. C'est-à-dire que quel livre êtes-vous en train de lire? Quelle personne êtes-vous en train de regarder la vidéo? Quelle chaîne vous suivez? Quel article, quel blog vous êtes en train de lire? Quelle est la qualité du temps que vous passez dans les articles que vous lisez? Est-ce que ça en vaut la peine? C'est ça la question que vous devez toujours vous poser. Parce que le but, c'est que vous ayez toujours la meilleure qualité pour le peu de temps investi. Investir le moins de temps possible pour le meilleur retour en investissement. C'est une dynamique très commerciale et qui peut paraître assez abrupte, mais c'est quand même important d'en prendre conscience parce que dans votre dynamique de réussite, d'atteindre vos buts, de succès, ça peut faire la différence entre un projet qui fonctionne ou un projet qui ne fonctionne pas. Ou alors que ça peut faire la différence pour un projet qui fonctionne lentement et un projet qui réussit et fonctionne rapidement. Donc, je trouve que c'est quand même quelque chose d'important à connaître. Donc, c'est pour ça que je voulais le partager avec vous aujourd'hui à travers cette vidéo. Et donc, vous pouvez tout simplement vous poser cette question simple. Est-ce que ce que je regarde, est-ce que ce que je lis, est-ce que mes sources d'information m'apportent de la valeur dans ma vie? Est-ce que ça vous apporte de la valeur? Et surtout, est-ce que ça m'apporte le maximum de valeur? Et ça, c'est un travail que vous devez faire vous-même. Et c'est un travail d'introspection qui en vaut la peine. Parce qu'en fait, ça va vous demander d'investir du temps juste de vous poser cette question. Parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre l'information et de prendre ce qu'il y a plutôt que de prendre le temps de rechercher, de nous informer sur nos sources, des personnes chez qui nous prenons l'information. Et ça, pour avoir une meilleure qualité d'information. Mais ça, ça demande justement un travail au préalable. Ça demande de faire des recherches, des informations, de demander à des gens et de suivre notre intuition, de regarder différentes sources pour comparer quelles sources nous rapportent le plus de bénéfices dans notre vie et dans nos objectifs. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne seront pas prêtes à faire, que peu de personnes sont prêtes à faire, mais que je suis prêt à faire personnellement parce que j'en vois la valeur des choses. Je vois le temps que ça va me faire gagner. Je vois les bénéfices que ça va m'apporter. Et je vois à quel point ça va me faire progresser et atteindre le sommet de mes objectifs et de mon but. C'est de
de consommer l'information de la meilleure qualité qui puisse exister. Parce que je vaux ça, je vaux, j'ai de la valeur et je veux avoir la meilleure valeur qui me vient en retour. Et c'est vraiment l'état d'esprit que je veux vous transmettre. Vous avez de la valeur. Et si vous ne vous en rendez pas compte maintenant, eh ben, c'est pas grave. Si vous êtes dans un chemin pour améliorer votre estime de vous-même, pour prendre conscience de la valeur que vous avez, tant mieux. L'important, c'est que vous compreniez ce principe que vous valez mieux que ça, vous avez la valeur et c'est important que vous receviez la valeur que vous valiez. Et ça va demander du travail. Ce n'est pas juste parce qu'on se dit « Ah, j'ai de la valeur » que toutes les informations vont venir à vous. C'est à vous de vous bouger les fesses pour atteindre ces formations. D'ailleurs, si la vidéo de se bouger les fesses vous inspire, j'avais fait une vidéo qui s'appelle « Comment décoller ». Si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo qui va apparaître juste là. Mais en tout cas, vous êtes responsable de prendre cette partie de votre vie en main. Mais attention, quand je dis des informations de qualité, je ne veux pas forcément dire que moi, par exemple, je peux vous dire quelles sont les informations de qualité. Je ne pourrais pas faire ce travail à votre place. Il n'y a que vous qui pourrez faire ce travail pour vous-même. Parce que oui, il y a une part d'objectivité, de bon contenu et que beaucoup de personnes apprécient, et que vous voyez que c'est des contenus de qualité qui est utile. Mais il y a également un point à prendre en compte, c'est la personnalisation. C'est-à-dire la manière dont qu'est-ce que vous appréciez, vous, selon votre personnalité, selon qui vous êtes, qu'est-ce qui vous fait vibrer, quel type de personne vous aimez écouter, quel type de manière d'expliquer les choses vous convient et vous permet d'apprendre encore plus vite et d'évoluer encore plus vite. Par exemple, dans le coaching, quel type de coach va être le plus inspirant pour vous? Il va vous aider et va avoir des questionnements, des manières de faire. Parce que chaque personne est unique. Donc peut-être qu'un coach va vous poser une question et ça va vous faire une prise de conscience, alors que le même coach qui a 10 ans de plus d'expérience ne va pas réussir à faire ce déclic en vous. Donc c'est important, là c'était qu'un exemple coaching, mais ça peut être dans les vidéos que vous regardez, les livres que vous lisez, quel auteur, quel type de livre, quel sujet vous parle le plus, qu'est-ce qui fait en sorte que vous arrivez à mieux assimiler cette information de qualité, ce savoir de qualité. Et c'est en combinant cet aspect de qualité et cet aspect personnalisé, de personnalisation, et en combinant ces deux choses ensemble, vous allez pouvoir avoir le meilleur investissement en temps pour le meilleur investissement en savoir. Et c'est pour ça que je vous dis que le savoir, dans ce cas précis, est plus important que votre temps. Parce que le temps que vous passerez à avoir des informations médiocres ou pas bien adaptées à vous-même, si vous ne vous en rendez pas compte, va vous faire perdre du temps dans le long terme, en fait. Bien sûr, c'est très bien si vous êtes dans une démarche d'apprendre, je ne vous dis pas d'être parfait, mais je vous dis juste de penser à ce point d'amélioration que vous pouvez faire afin de sélectionner vos sources d'informations et d'avoir la meilleure qualité possible de vos sources d'informations. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai pensé et que je trouve vraiment important et c'est important d'en prendre conscience. Moi-même, les vidéos que je vous fais, bah, j'ai mes sources d'informations. Je ne suis pas né avec tout ce savoir. Je ne suis pas né avec tout ce que je vous partage. Je ne suis pas forcément plus exceptionnel que vous. C'est juste que je suis motivé à apprendre. Je lis des livres, je regarde des vidéos, je m'inspire. Je parle anglais, je regarde même des gens dans tous les continents. Aux États-Unis, il y a vraiment des sources d'inspiration incroyables juste par Internet en regardant les chaînes YouTube qui existent. Et voilà, c'est comme ça que je fais pour vous donner la meilleure information possible. Et en plus de cela, j'y ajoute ma touche personnelle. Et ça, c'est ça que j'adore. J'y mets de ma personnalité, j'y mets de mes convictions, j'y mets de ma créativité, j'y mets de ma passion. Et c'est ça qui va faire la différence. Peut-être que vous résonnez bien avec moi si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Probablement vous aimez bien mon style ou vous étiez curieux. Mais il y a peut-être des gens qui vont voir mes vidéos et ils vont se dire « Mais c'est qui ce mec? J'aime pas son style, j'aime pas sa manière de parler, j'aime pas son… » Je sais pas, il en fait trop peut-être, j'en sais rien. Mais moi, j'adore faire ces vidéos, j'adore mettre mon style dans ce que je fais, j'adore montrer qui je suis vraiment. Destination soi-même, c'est… Qui êtes-vous vraiment? Qui je suis? Qui êtes-vous? Qui je suis? Qui êtes-vous? Et c'est vraiment important d'en prendre conscience. Donc cherchez les personnes que vous pourrez regarder, non seulement qui ont des contenus de qualité, mais en plus qui ont un style qui vous correspond, qui vous plaît, que vous aimez bien et tout simplement qui correspond à votre nature, à votre personnalité. Et ça,
Vous pouvez faire confiance à votre intuition, suivez votre intuition. D'accord, il y a une source d'information que vous pouvez avoir, les feedbacks, les gens, les connaissances et tout ça, mais il y a également votre intuition. Votre intuition, vous pouvez souvent lui faire confiance et voilà, afin de trouver ce qui vous convient le mieux. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très content d'avoir partagé cette vidéo. Je trouvais ça très intéressant, en tout cas quand j'en ai pris conscience. Et puis je vous dis un grand merci pour toutes les personnes qui apprécient mes vidéos, qui me regardent et qui me suivent. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'aider à promouvoir mes vidéos et ma chaîne YouTube. C'est de cette manière que vous pourrez m'aider dans mon projet et aider à impacter un maximum de personnes avec ma personnalité, avec mon style et avec mes vidéos. Si vous voulez me suivre toutes les vidéos que je publie une vidéo du lundi au vendredi. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous voulez aider un ami, vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de mes vidéos, n'hésitez pas à lui partager ma vidéo. Ça lui permettra de tout simplement améliorer sa vie petit à petit et en même temps d'améliorer mon projet. Donc je vous remercierai d'avance. Si ça vous intéresse, j'ai créé une formation qui s'appelle « Comment vaincre la peur de l'échec ». C'est 4 vidéos avec un exercice concret après chaque vidéo où je vous aide, je vous coach littéralement pour que vous puissiez passer à l'action et vaincre cette foutue peur de l'échec qui vous éloigne de vos rêves. Vous vous rendez compte, la peur, c'est quelque chose qui peut vous éloigner de vos rêves. Ce serait complètement stupide de ne pas atteindre nos rêves juste parce qu'on n'a pas su vaincre nos peurs. Et c'est pour ça que j'ai créé cette formation qui est très importante et que je vous offre afin que vous puissiez faire un premier pas en direction vers vos rêves. Donc merci à tous de regarder mes vidéos et j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pouvez changer maintenant et qui pourrait vous améliorer la qualité de vos de votre apprentissage, de ce que vous apprenez? Est-ce que ça serait faire une recherche sur internet, découvrir de nouvelles chaînes YouTube peut-être, lire plus de livres? Parce que c'est en lisant et en bénéficiant de beaucoup d'informations que vous aurez du recul pour choisir vos bonnes sources. Donc n'hésitez pas à me dire quelles sont vos sources d'informations qui vous inspirent dans les commentaires. Je serais très, très curieux de savoir vos sources d'inspiration qui vous aident à aller de l'avant. Donc merci à tous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et restez vous-même. Ciao, ciao.